Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter l'édition collector Blu-ray Ultra HD 4K du film La Cité des Enfants Perdus. Un film de 1995 réalisé par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, avec dans les rôles principaux Ron Perlman, Daniel Émile Forque, Judith Vité et Dominique Pinon. Donc c'est édité par Studio Canal. Alors cette édition collector se présente sous la forme d'un digibook. Voilà, c'est déjà un mauvais point hein, pour ma part. Donc pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que c'est archaïque de mon point de vue. Ça prouve que consciemment ou inconsciemment, les éditeurs français sont encore restés bloqués au DVD. Alors qu'en Allemagne, par exemple, on a droit à des éditions MediaBook et donc au format Blu-ray, Blu-ray 4K. Donc exemple, Benedetta. Hein. Je vais le prendre ici. Voilà ce qu'on attend d'un éditeur français en termes de format désormais. Franchement, c'est quand même pas compliqué. Hein. Alors, second point négatif, le bandeau imprimé Blu-ray, Blu-ray 4K. C'est quand même incroyable de voir ça encore aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi on ne dispose pas d'un flyer ou d'un G-card pour une édition collector de ce type. Donc, c'est vraiment affreux. J'ai l'impression d'être revenu au premier steelbook édité en France. Donc, mon coup de gueule étant passé, regardons de plus près cette édition collector. Alors, le visuel du recto donc, est plutôt réussi, hein, l'image est de bonne qualité. Donc, on retrouve le nom du film, donc La Cité des Enfants Perdus. Le nom des réalisateurs, donc Jeunet et Caro. On a également les logos, donc Blu-ray et Ultra HD, Blu-ray et Studio Canal également. Alors sur le verso, on a le descriptif de l'édition avec les bonus, les langues, le résumé du film, etc. Mais je reviendrai sur tout ça ultérieurement. Sur la tranche, on a donc le titre du film, Studio Canal, le logo est ici pareil, Blu-ray et Ultra HD Blu-ray. Alors sur les côtés, on n'a rien du tout. Hein. Voilà, ici non plus. Donc, on va regarder à l'intérieur. Alors, donc, au niveau du visuel, on a quasiment le même visuel que sur le fourreau. Hein. Voilà, il n'y a pas de grosse différence, on va dire. Derrière, on a une bouée. Alors, à l'intérieur, on retrouve donc le Blu-ray 4K ici, avec donc une image de la cité. Voilà, avec une continuité hein, sur les deux. Moi, je trouve que c'est pas super bien défini au niveau de la qualité d'image. Ici, on a donc le synopsis. Voilà, une image du film. Alors, la fiche technique et artistique. Donc ici la fiche technique plutôt. Les notes de restauration. Les décors imaginés par Jean Rabas. Des objets comme des personnages. Une photo du film. Les costumes donc dessinés par Jean-Paul Gaultier. Voilà, encore quelques images. Ron Perlman ici. Les Polaroids de la maquilleuse Nathalie Tissier. Et enfin, les remerciements. Voilà, Studio Canal remercie Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, et ainsi de suite. Et enfin, ici, donc, on a le Blu-ray du film. Voilà, avec une continuité. Mais voilà, encore une fois, je trouve que l'image est pas super bien définie. Mais bon.
Voilà globalement ce que je pouvais dire sur cette édition collector. Hein. Elle n'a pas une qualité de dingue. Donc on comprend pourquoi elle n'est qu'à 25 euros. Alors j'ai vu le film et côté image, c'est vraiment excellent. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'une restauration 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le gain en définition en comparaison de l'ancien Blu-ray est flagrant et impressionnant. Le niveau de détail est juste incroyable de précision. On peut notamment l'observer sur les traits des visages, des personnages, les maquillages ou encore les costumes. Le grain est plus fin et plus stable, mais se veut plus imposant sur certaines scènes quand même. Toutes les imperfections, rayures et taches ont été éliminées de l'image. Le Dolby Vision apporte un rehaussement des couleurs des plus éclatants. Les teintes vertes, oranges et brunes ressortent infiniment plus que sur le Blu-ray. La compression se révèle solide et les noirs profonds, mais ne sont pas toujours parfaits. Bref, globalement, on est en présence d'un solide 4K et de la plus belle version du film à ce jour. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO et du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire audio de Jean-Pierre Jeunet, un making-of, des archives de Jean-Pierre Jeunet, une interview de Jean-Paul Gaultier et un entretien avec Jeunet et Caro. Alors, de quoi parle le film? Crank, un étrange personnage, vit entouré de clones et d'autres personnages encore plus étranges sur une plateforme en mer perdue dans le brouillard. Crank doit, pour ne pas vieillir trop vite, voler les rêves des enfants. C'est pour cela qu'il les enlève de la cité portuaire. Alors j'ai découvert le film en 4K. Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro imaginent une ville portuaire steampunk crasseuse à souhait que l'on pourrait situer au 19e siècle. Un univers complètement halluciné avec des clones jumeaux. Un scientifique qui utilise le rêve des enfants pour rajeunir, des gardiennes d'orphelinats siamoises. Tout est fou dans ce film, mais il est parfaitement cohérent dans sa folie. Si l'intrigue, très intéressante mais un peu brouillonne, est assez difficile à suivre, cette lacune est largement rattrapée par une ambiance unique, à la fois enfantine, insouciante et sombre, à la limite du glauque. L'exemple parfait du film de science-fiction français qui comble son manque de moyens par une imagination folle et une volonté presque obsessionnelle de se démarquer du lot. Bref, Jeunet et Caro réalisent ici un ovni dans le cinéma français et il en rebutera plus d'un, mais ce film possède une telle âme, une telle richesse visuelle qu'il ne peut qu'émerveiller. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.